forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Bonne fin de journée tout le monde. Alors, un autre cas où une aînée, sa famille, se sent abandonnée par notre système de santé. Mathieu, ces gens-là craignent les effets d'un déménagement sur la santé de l'octogénaire. C'est une réalité, Pierre, pour des centaines d'aînés un peu partout au Québec, des déménagements d'un CHSLD à un autre en raison, par exemple, des listes d'attente. Or, dans ce cas-là, la famille dit avoir des raisons de croire que la santé de l'octogénaire pourrait être menacée en cas de déménagement. Antoinette Didonné a 84 ans. Après avoir éprouvé des problèmes de santé récemment, elle a dû être placée en CHSLD. Elle a été envoyée au centre 4 temps à Montréal. Et où elle est en ce moment, elle est habituée, c'est comme chez eux maintenant. Puis nous, on est là tous les jours. Elle y est dans un lit d'évaluation. Mais comme son évaluation est complétée, la direction du centre veut la déménager ailleurs. C'est que d'autres aînés attendent sa place pour être évalués à leur tour et il n'y a pas de lit permanent de libre. Son médecin traitant écrit pourtant qu'un transfert pourrait drastiquement détériorer sa condition. Il recommande même fortement qu'elle demeure au centre d'hébergement 4 temps. On a un médecin qui l'a écrit, mais même le médecin de l'établissement m'a fait peur qu'une personne dans son état devrait demeurer là. Un travailleur social qui a été mêlé aux discussions écrit que tous sont d'accord avec plusieurs professionnels de la santé, qu'elle est assez vulnérable et fragile en ce moment et que la transférer ne serait pas la meilleure option. On ne pourra pas lui amener le même support qu'on lui apporte en ce moment. Exemple, moi, j'y vais tous les jours. Tous les midis, je vais avec elle. Je lui donne à manger. Les soirs, hier soir, j'étais voir la partie d'hockey avec un de mes enfants. On est là constamment. Selon nos informations, une équipe d'experts de l'Agence de santé de Montréal en arrive à une autre conclusion et est d'avis qu'un déménagement ne serait pas négatif pour la santé d'Antoinette Didonné. Elle devra donc changer de centre d'hébergement. Il y a un système, puis il tente de respecter le système, puis c'est à quelques coups que ça soit là. C'est évident qu'on ne respecte pas le bien-être des aînés. Leur priorité, leur bien-être n'est pas la priorité. C'est vraiment en bon québécois, c'est de les ils sont bafoués. C'est ça qui arrive, là. Écoutez, le ministère, le ministre, l'Agence de Montréal, les personnes aussi qui s'occupent de l'hébergement dans les centres devraient prendre acte de ce qui se passe. Parce que ce dont vous parlez, on ne parle pas d'un cas isolé. Ça se passe constamment. Il y avait une dame de 94 ans le mois dernier là, qui en était à son quatrième transfert. Vous savez, ça n'a pas de sens, ça. C'est sauvage. C'est inhumain. On vous a parlé il y a quelques mois d'Antoinette Didonné, cette femme de 84 ans qui a dû changer de CHSLD bien malgré elle. Eh bien, elle est morte il y a une dizaine de jours. Et sa famille s'interroge sur les façons de faire de l'Agence de santé. Monsieur Bellumeur les a rencontrés. En avril dernier, Antoinette Didonné, 84 ans, était transférée du centre d'hébergement 4 temps vers le centre d'hébergement Champlain à Montréal. Sa famille s'opposait au transfert. Selon elle, la santé de l'octogénaire était trop fragile pour vivre ce déménagement. Le médecin d'établissement là-bas était catégorique qu'elle ne devrait pas être transférée. L'Agence de santé de Montréal l'a déménagée parce qu'au centre des 4 temps, elle était dans un lit d'évaluation. Et comme son évaluation était complétée, elle devait quitter parce que d'autres aînés attendaient sa place pour être évalués à leur tour. Ses proches dénoncent la façon dont le déménagement s'est déroulé. Ils l'ont transférée sans aucun effet personnel. Puis quand je suis arrivé là-bas, elle était gelée, catégoriquement gelée. Le lendemain, quand je suis retourné, ils m'ont demandé « Est-ce que Mme Didonné a des effets personnels? » J'ai dit « Oui », mais elle a dit « On n'a rien ici. » En arrivant dans son nouveau CHSLD, son état s'est rapidement détérioré, au dire de son neveu. Elle se détériorait à vue d'œil. C'était vraiment, vraiment, vraiment triste. Il faut dire qu'en avril, l'Agence de santé avait déterminé qu'elle devait être envoyée dans une unité pour gens atteints de démence. Or, dans cette lettre datée du 19 juillet dernier, l'Agence de santé écrit que la condition mentale de l'octogénaire ne nécessite en rien qu'elle soit dans cette unité. À un point tel qu'on l'avise qu'on va la redéménager en priorité au centre des 4 temps. Il faut vraiment être objectif envers les gens d'un certain âge, il faut reconnaître qu'ils sont fragiles, puis qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, que des transferts semblables, ça pourrait être fatal. Dans ce cas-ci, ça l'a été. Antoinette Didonné est décédée le 20 juillet, 3 mois après son arrivée au centre Champlain. Ce qui me déchire énormément, c'est le fait que
qu'elle soit décédée, c'était peut-être la même chose qui peut pas y arriver à cause de sa situation, mais qu'elle soit décédée, déprimée. Il faut arrêter ce genre de manière de faire. Mathieu Bellumeur, TVA Nouvelles, Montréal. Janvier 2013. Oui, la deuxième année où t'es pas avec nous, ma tante Tony. Ma tante Antoinette Colmano-Didonné, la sœur de mon père, ma moraine, la moraine de mon fils, une femme que tout le monde aimait. On t'aimait tous et on t'aimera toujours. Le système de santé, le système du Québec, la manière que t'as été bafoué, ça m'a fait mal au cœur. Puis j'ai réalisé que c'était pas juste toi. Toutes les gens, surtout en perte d'autonomie, qui sont placés, sont bafoués. Quelle tristesse! J'espère que nos gouvernements, à tous les niveaux, s'uniront cette année. Oui, s'uniront objectivement, quel que soit le parti, pour s'assurer qu'on mettra en place des outils, pour s'assurer que les gens qui ont travaillé toute une vie, qui ont payé des impôts, qui ont payé des taxes, et tout particulièrement des gens qui ont fait tellement de bénévolat, mais qu'on va les traiter comme des gens respectueux. On va les traiter comme des vrais humains et qui ne seront pas bafoués. Mais j'espère que dans une année très rapprochée, en 2013, on fera un grand pas dans la bonne direction pour s'assurer que ça ne se répète plus. Les gens qui ont travaillé toute une vie, des gens qui ont fait tant de bénévolat, méritent beaucoup plus et on se doit d'être à la hauteur de nos aînés. Et on se doit de pouvoir mettre en évidence les paroles de Robert Bourassa qui disait « On reconnaît une société par la manière qu'on traite nos aînés. Bien, mettons-y nos énergies et tout notre savoir pour faire en sorte que ça ne se répète plus. »